du NPA. Alors on reçoit aujourd'hui notre tête de liste, Christine Coupa. À la tribune, nos deux candidats du Calvados, Stéphane Royer et Philippe Aubry. Alors Stéphane Royer du comité de Bayeux et Philippe Aubry du comité de Vire. Mais dans la salle, on a tous les candidats de la Basse-Normandie, Alençon est là et Bayeux. Alors Christine Coulon et Cherbourg. Donc Christine Coulon qui est candidate à Alençon et Nathalie Ménard à Cherbourg. Alors là, la campagne, ce qu'on nous dit de la campagne actuellement, c'est qu'on nous dit qu'elle est atone et que l'enjeu de ce scrutin n'intéresse pas grand monde. Mais dire ça, c'est compter sans nous, parce que nous, cette campagne, on la mène, on l'a déjà menée, on la mène et on va la mener jusqu'au bout, sous le signe des luttes. D'ailleurs, nos listes se présentent sous le slogan « Pas question de payer leur crise ». La situation actuelle nous montre l'état où on est au niveau des luttes dans la région, dans la France entière, et partout en Europe. Alors, dans les derniers développements que des assemblées générales d'étudiants à Caen et dans d'autres villes votent à la majorité le blocage de l'université, ça n'empêche pas les flics d'intervenir brutalement sur le campus, comme à Caen, et d'interrompre une réunion du comité de lutte étudiant. Mais bon, ça, genre d'intimidation, ça ne marche pas, parce qu'une AG, ce matin, à Caen, a revoté à nouveau le blocage, et les étudiants sont vraiment impliqués dans les luttes. La preuve en est, c'est qu'ils ont essayé de rejoindre cet après-midi la mobilisation des personnels de santé et médico-sociaux. Apparemment, la lutte continue. Alors, aujourd'hui, comme le 14 mai, il y avait une mobilisation des personnels de santé et médico-sociaux qui se sont réunis devant l'ARH, l'agence régionale d'hospitalisation. Alors, je ne sais pas si quelqu'un fera une intervention là-dessus, mais la répression a joué à plein tube. J'ai entendu que les étudiants qui ont eu la très mauvaise idée de vouloir rejoindre les gens de la santé et médico-sociaux se sont fait arrêter par les CRS et que ça a cogné, ça a envoyé du gaz lacrymogène. Il va falloir qu'on s'habitue parce qu'apparemment, pour un petit moment, ça va être comme ça. Parce que pourquoi il y avait cette mobilisation contre la loi Bachelot? Parce qu'on a beau nous dire qu'il y a des reculs du gouvernement par rapport à la gestion des hôpitaux. La loi Bachelot, c'est soumettre l'hôpital à la même logique comptable que toute entreprise. Alors dans la région et partout ailleurs aussi, il y a des camarades des industries qui luttent pour sauver les emplois contre les licenciements, parce qu'on leur impose du chômage partiel qui est très mal indemnisé. Alors ici, on a Valeo, PSA, Renault Trucks, ERDF et GRDF. Vous avez entendu comment les électriciens se sont fait traiter par la police. Tout le monde, la répression patronale et policière sont pleins. Alors il y a un rendez-vous qu'il va falloir qu'on note, c'est d'ici exactement une semaine, le 26 mai. Le 26 mai, nous serons aux côtés des travailleurs en lutte, l'intersyndicale, encore une journée d'action, sur l'agglomération cannaise, des barrages filtrants à l'entrée de la ville. Alors c'est vrai que nous, les journées d'action, on a des réserves par rapport à ça, parce qu'on se fait balader du
du 29 janvier au 19 mars, du 19 mars au 26 mai, et on ne voit pas trop de débouchés. Alors que nous, on pense que la seule façon de faire plier le patronat et le gouvernement, ben, c'est la grève générale. Il n'empêche que on doit être et on sera aux côtés des travailleurs en lutte le 26 mai et sur les barrages filtrants. Au NPA, notre force, on la tire de la diversité de nos origines sociales et politiques et des actions qui sont menées dans les comités depuis la base, au sein des comités locaux. Dans le Calvados, il y a plusieurs comités qui se sont déjà constitués et d'autres qui sont en passe de l'être. Alors, sont déjà constitués Camp Aglo, bien évidemment, Vire, Falaise, Bayeux, Lisieux. Alors, à l'extérieur, dans le hall d'entrée, vous avez des tables de contact pour rejoindre les comités locaux et pour vous battre à vos côtés. Alors, n'hésitez pas à parler avec les camarades qui sont là à cet effet et à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous tenir au courant de tout ce qu'on fait, etc. Voilà, donc maintenant, je vais passer la parole aux intervenants qui sont là. Donc, Stéphane va intervenir en premier, ensuite Philippe, puis une intervention de Christine, et ensuite on pourra débattre, et donc on prendra des prises de parole dans la salle. Bonjour, je suis